Les amis, bienvenue pour un nouvel épisode de Prestige Carp, quelques heures pour faire du fish. C'est le numéro 5. Donc on va se retrouver sur le lac de Machy comme d'habitude. Là j'ai déjà un collègue qui m'attend, le poteau de Jeep. Et il y a le collègue Christophe aussi. Donc je vais les rejoindre, ils sont déjà sur le poste du coup, poste 3. Donc c'est parti, on va essayer de valider le poste 3. Là je vais pêcher avec la anodonte. Je les sens bien ces billes, donc on va recommencer avec celle-là. Et bah on se retrouve au bord de l'eau. Patate. Ouais, le collègue il est là-bas, on va aller le rejoindre. En attendant, on va prendre tout le merdier. On est parti les gars. En tout cas, très très bonne condition. Franchement, il fait très très beau. Ça va être bien sympa. Naya, viens ici. Arrête de faire des bêtises là. Fais attention à la route là. On m'en fout. Ouais, non. C'est qui là-bas? C'est qui là-bas? Allez, va! Ce qu'ils disent les pêcheurs? Ah, ça pêche trop, hein, mon copain! Ah, voilà! Voilà, ça c'est une bonne équipe ça. Wow, je suis content l'équipe. En espérant qu'on va faire deux beaux fiches. Clac clac clac. On va voir ça. On va kiffer. Ça va être bien sympa. Et voilà les amis, on est bien arrivé sur le poste 3. C'est parti. On va préparer tout ça et. Bon les amis, je vais juste vous montrer mes petits montages comme d'habitude. Donc un petit hameçon taille 6 avec double bouillette anodonte que je vais tremper dans du liquide de foie. Ensuite, comme la dernière fois, je viens dérouler avec ce montage là. Petit pop-up orange trempé dans du liquide de foie. Et voilà, c'est carré. Alors on va acheter ça. Un petit peu d'avance, il est pas encore 15h, donc c'est parti, je vais me dépêcher. Et waouh, j'ai déjà pêché une fois sur ce poste là, j'ai fait une tanche depuis que je connais ce lac, et voilà, en espérant que aujourd'hui je vais faire une belle mémie ou une belle coco, ça ferait plaisir. Et puis voilà, allez, on se reprend l'équipe. Waouh. Tu vois le mec qui m'a pris à l'époque. Il chante. Alors la meuf, c'était un dame. Bonjour. Non, j'ai eu un bip tout à l'heure, mais après. Ouais. Ouais, ouais. Et moi, je viens d'arriver. Et lui, il vient d'arriver à l'instant. Ça en a beaucoup, là? Il y en a quand même. Ouais, ouais. Ouais, bon, pas méchant. Ouais, merci, vous aussi.
Bah ouais, des une. Tu veux le mien, essayer ? Non, le mien, il est mieux. D'accord, merci. C'est du bas de gamme, toi. Non, mais j'ai compris, t'inquiète. Non, il est ah, meilleur en gamme. C'est bon. Je sais, meilleur en gamme, mais... C'est bon, j'ai dit. Mais il est lourd. À qui il est, le père des ciseaux, puis ça, le badding ? Ah, Dimitri. Quelle amorce. J'ai relancé, j'ai enlevé celle de Lille, là, à la pointe. Je t'ai laissé. Ouais, toujours. Merci. C'est ouf. Tu l'as pas rejeté, toi, j'ai vu. Non, je vais le rejeter. T'as pas envie ? Si, je vais le rejeter. Moi, ouais, je suis bien passé, j'y touche plus. On verra bien. On verra bien. Oh, tu veux amorcer toute la nuit, hein, toute la journée? Non, non. Laisse-les venir. Tout est bon. Amorcer, poser, c'est carré. Fais gaffe à la branche. Ouais. J'étais moins loin que toi, juste là, dans les milieux à peu près, un peu avant. Bon bah les amis, voilà, je viens d'acquérir une petite batterie là, pour mes pêches de nuit, etc. Donc ça va être bien sympa. Le collègue il m'a commandé ça. Ça a l'air d'être pas mal. Oh. Elle fait lampe torche aussi. Hop. iPhone, tout ça quoi. Donc voilà. On va voir ce que ça vaut avec le temps. On verra bien. Donc on va essayer de toucher du fish aujourd'hui. Il y a pas mal de pêcheurs, donc on va croiser les doigts. Mais je suis quand même assez confiant dans l'ensemble. Il est où le pêcheur du dimanche? Donc c'est parti. Il est là le pêcheur du dimanche. Il est parti mon copain. Il est où là? Il arrive là. Il est là. Il est où que je l'éclate ta gueule? Ici toi que je te parle. Ah, ils sont beaux les pêcheurs. Ocre, allez, tu te fessais. Après, ça va finir en ocre. Allez, 15h les amis. Je vous mets direction les cannes et let's go. Non, ça va pas la tête. Plus tu regardes, plus tu... En fait, c'est quand tu penses à ce film que c'est drôle. C'est comme la buzz. C'est comme la buzz. C'est des trucs tu peux les gros regarder. Cercle d'Hitler, c'est des méchants qui le disent. À chaque fois qu'ils filment la buzz, ils voient un rugbyman. Mon bébé, tu m'as quitté. Pas comme lui, là. Franchement, c'est souvent ils passent les mêmes replays, c'est ça qui passe plus. Ouais. Mais bon, après, c'est toujours sympa. Thaïlande, moi, ça me fait peur. Hey, il est trop stylé, ouais. Ouais, bon, trop stylé. Je te fais basser. Moi, ouais. Je dis bassage finition. Ah, là-bas. Bah, ouais.
tu dis recaqué à la fin. T'es sur ton poste, t'es recaqué, t'as le sourire, tu repenses au massage. Deux quarts. T'es au top. Deux quarts, frère. Là, ça déroule tous les côtés. T'es fou, toi. Ouais, ça fout de fou. Là, ils sont tellement actifs sur le 4, là. Entre le 4 et le 5. Et le 3, même. Regarde toi où t'es, là. Qu'est-ce qu'il fait là, Ça va, hein, c'est bon. Ça va, t'as la forme? T'as la forme? Tu vas bien? Il est là, hein. T'es chaud? Tiens, t'es mort. Ouais. Hey, tu me dois 10 balles. C'est 8 euros plus l'essence, 2 balles. D'accord, ok. Et la TVA? Non, la TVA, je suis gentil. Non, non. Je pense que quand ils commencent un peu à geler, ou ils font un peu plus en mode tranquillou, mais sinon. Après, carpodrome, oui et non, parce que pour empêcher, c'est quand même compliqué. Allez, baisse-toi! Allez, cours, cours, cours! Allez, baisse-toi! Et baisse-toi, on va être dans l'île! Oh là là, my godness! Fish on! Oh là là, quel homme! Je pense qu'elle est dedans. Hein. Il a pas les plus départ, les amis! Ouais, elle t'a fait un beau départ, celle-là. Hein. Alors, ça fait du bien de courir? T'as plus l'habitude, le vieux. Ouais, normal. Qui va nous faire un truc. Bon bah l'équipe, premier départ, un départ pour Christophe. Du coup là elle s'est tankée par là, malheureusement en train d'essayer de sortir ça, mais c'est un peu compliqué. Donc on va voir après si l'a sorti ou pas. Et voilà les gars, petit miroir de Chris. Impeccable. Impeccable. Bah oui, parce que voilà, ouais. Elle est contente, c'est super, bravo. Moi j'ai failli être moins content là. Ouais, je pense. Il a failli tremper. Vous êtes moins content parce que vous avez passé à nous. Peu importe. Allez hop. Impeccable. Les gars, les féroces. Ça y est, tu leur achètes 3 dents là. Là-bas, elle est proche de l'île. Ouais, mais c'est pas arrivé un monster, hein. Ah si. Ah, c'est pas un arrêt pas mal. Un arrêt pas mal. Deuxième départ, l'équipe. Ça arrive, ça arrive. Il est où le rapaïma? Il arrive. Il est où le rapaïma? Ah ouais, il est beau gosse. Miroir. Ah, elle est belle. Tu veux y aller? Je pense qu'elle va en vouloir un peu. Ouais, je pense. Ouais. Number one! Non, mais là, number one encore, je suis content encore. Ah bah ouais, c'est attends, prends le temps. Ouais, ouais. C'est un beau bébé, ça, c'est un... Oh, c'est joli! J'ai pas vu quand je regardais la chaîne. Ouais, ouais, elle est belle, ouais. Allez, concentre-toi. Aïe, ouais. Sors de là, quoi. Faut qu'il y ait un peson? Ouais, j'en ai un vieux, mais après, il a rien. Il est accroché là. Ah ouais.
C'est la même qu'hier, toi, que j'ai chopé. Ça me plairait. On en veut encore. Oh, quoi. Ouais, mais c'est déjà la chaîne, c'est pour ça. Regarde, regarde ce que m'a fait là. Ouais. C'est ça. Et moi, mets-moi des cailloux moi aussi ma fille. Comme toi pour nous. Hein ? Il y a moins 15. C'est mon record ou pas ? C'est mon record. 14-2. Oh oui, ta voiture. Ah oui, ah oui, tu l'as battu, c'est ça. Je vais pas aller prendre la bosse. Elle va la prendre, la bosse. Elle est belle, elle a un bel écaillage et tout. Ouais. J'ai chance. C'est là qu'il faut que j'en fasse demain aussi. Fichon. Oh, big fish les amis, big fish. Wow. Et où le tapis? Ah, là-bas. Ah ouais, bah là je te laisse faire parce que... Et tiens-moi la canne. Vas-y. Fichon. Oh là là, c'est un monstre. Hein. Par contre, t'es en roule là. Sinon ça va faire un dégât. Oui. Non, je sais pas combien il fait, mais... Oh là là là, un beau bébé. 20 kilos, non? C'est qui le number one? C'est qui le number one? C'est qui le number one? Bah attends, on va voir. Wow. Et voilà l'équipe, 19 kilos. Bah 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 bah. Ça doit être encore en dessous. Ouais. Vous voyez ? Ouais. Dommage. C'est un bestiau. Hein. Et voilà. Impeccable Jeep. Impeccable. Aïe aïe aïe. Wow, bienvenue pour la partie de l'équipe. Merci d'avoir continué la vidéo. C'est installé. Il n'est pas 15h, il est 14h40, donc on a pas mal d'avance. Et voilà, let's go, il fait beau comme hier. On est sur le même poste. Par contre, là, au lieu de mettre une canne en plein eau, j'en ai mis deux. C'est parti. On a jusqu'à 17h30. Let's go. Donc, la vue du poste. Il n'y a personne aujourd'hui. Le collègue, il était censé être déjà là. Peut-être qu'il a eu un imprévu. Donc, voilà. En tout cas, là, c'est posé, installé, amorcé. On a utilisé... Les mêmes montages qu'hier. La même bille qu'hier aussi. Et voilà. On est bien, il fait super chaud les gars. Allez, je vais mettre la caméra direction les bips. C'est parti pour un gros départ. T'as trouvé un nouveau caillou ? Tous les petits cailloux là. Je sais pas pourquoi elle fait ça. En tout
cas, ça l'a fait kiffer apparemment. Ah, ma fille, t'es bien les cailloux. Bon, en tout cas, c'est une bonne petite journée, franchement, il fait super super bon, c'est très très agréable. Je pense que tout le monde prend plaisir, c'est pour ça qu'il y a pas mal de promeneurs. Donc là, on est en toute tranquillité, et c'est plutôt sympa, franchement. Bon, là, je vois pas mal d'activités sur le poste 4, dans les bois morts là-bas, c'est comme d'hab. Hein. Ça fouille, ça tape dans les bois, ça sort de l'eau. Mais j'essaie de sortir de mes zones de confort du coup. C'est pour ça aussi que je suis resté en pleine eau et j'ai pas été sur l'île. Vu que le poteau il est pas là, j'aurais pu, mais je préférais le laisser. Voilà. Bye bye. Là on est parti pour faire un gros fish. Là. On y croit. Les cailloux et les tops ou les mulots, je sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un caillou là. Creuse d'ici. Ah, ça va tenir. Salut l'équipe, bienvenue pour la partie 3. On s'est remis en plein eau, on a essayé de tirer un peu moins loin ce coup-ci. Donc voilà, on est avec toute la petite équipe là. On va voir, on a installé tout ça. C'est carré. On va essayer de tirer un beau fish. Hier c'était assez compliqué, pas d'activité. Deux bips, voilà, c'est tout. C'était assez plat, donc on a utilisé les mêmes montages, les mêmes bips. Juste sur la canne de droite, j'ai mis un bonhomme de neige. Et voilà les amis. Bon bah voilà l'équipe. Après quelques. Ça faisait quoi? Ça faisait une demi-heure? Une heure t'étais à l'eau? Après une heure à l'eau avec une petite top démon 20 mm. Petite coco. Et voilà, impeccable. Nous on attend notre tour. Et voilà. C'est carré. Ah ouais. Bon les gars. Encore une dinguerie. Encore des dingueries.
Donc voilà, je coupe la vidéo parce que malheureusement, j'ai eu beaucoup de problèmes sur mon téléphone avec l'accumulation de vidéos, etc. Et c'est aussi pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo et à commencer à en sortir d'autres. Et j'ai fait une connerie en fait, je pensais que tout était sauvegardé dans mon cloud et j'ai même payé des gigas en plus pour pouvoir mettre mes trucs et tout, nanana. Et en fait, en pensant que c'était sur mon cloud, j'ai supprimé sur mon téléphone et sur ma corbeille, sauf que c'était synchronisé, j'avais pas désactivé, ça fait j'ai tout perdu. Donc voilà, j'ai pu conserver juste les photos, deux photos, mais c'est déjà pas mal. Et du coup là, j'ai acheté le fameux PC, donc BBBanks. Mais voilà, donc pour un peu faire le bilan de cette session, j'ai fini sur un fish, sur une belle coco de 13 kilos et quelques. Donc un très très beau combat et un beau départ qu'elle m'avait fait. Elle était gavée la grosse pour rentrer dans la période hivernale. Je sais pas combien elle en avait mangé, mais elle en avait mangé comme il fallait. Donc voilà, je vous fais suivre les photos et je vous fais un gros bisou l'équipe. Je vous remercie grandement pour tout votre soutien. Merci de rester abonné à ma chaîne malgré qu'il n'y a pas de publication. Et merci pour tout, on est ensemble. Je vais tâcher de faire de mieux en mieux de toute façon. Là, on a le PC, donc à l'avenir, j'acquérirai certaines choses. Je vais essayer de pas déballer parce que du coup, si ça se fait pas, au moins, on ne pourra pas dire que j'ai parlé pour rien. Donc voilà. L'équipe, sur ce, je vous laisse avec ces photos et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.